Bonjour les fines bouches. Un petit coucou à la famille, ma famille qui est dans le sud, à Nice. Aujourd'hui, on va faire un plat typique de la région Côte d'Azur. On va faire la salade niçoise avec le riz, tel que je l'ai apprise à l'école hôtelière il y a 45 ans. De quoi avons-nous besoin pour faire une salade niçoise ? Nissa, nous avons besoin de thon, de riz, d'olives vertes dénoyautées, tomates cerises, une quinzaine de filets d'anchois qu'on va couper en deux, donc ça fera 30 morceaux d'anchois, 4 œufs qu'on va faire cuire dur, soit un poivron, soit vous mettez deux demi-poivrons rouges et verts pour la couleur, un concombre, un citron, de l'huile d'olive, sel, poivre. Maintenant, réalisation du plat. Pour commencer, on va faire cuire le riz. Puis, nous allons couper toutes les petites tomates cerises en deux. On va émincer les olives, faire cuire dur les œufs, couper en petits carrés les poivrons. On va faire de même avec le concombre et on va enlever les pépins au préalable. Une fois qu'on a tous ces éléments, on va procéder à la réalisation de la salade niçoise avec du riz. En premier lieu, le riz. On y ajoute le thon. Les olives. Les tomates cerises, les poivrons, et les concombres. On mélange le tout. C'est marrant, même si c'est froid, on a déjà des remontées de saveur. Quand c'est bien mélangé, vous versez tout ça dans le plat de service. Vous disposez vos anchois dessus. Vous prenez vos œufs, vous les coupez en quatre dans le sens de la longueur et vous disposez des quartiers comme ça, un petit peu tout autour. Là, on a notre plat qui est prêt. On prend notre huile d'olive. On fait couler le citron dedans. Le jus de citron, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire avec aussi avec du jus de citron vert, pour ceux qui aiment mettre un petit peu d'amertume. Vous mettez dedans un peu de poivre. Ah, ça y est, j'ai l'accent niçois maintenant, c'est pas bon ça. Un peu de sel. Oh, ça ne me quittera donc jamais. Vous remuez et vous versez par-dessus. Normalement, en matière d'assaisonnement, c'est suffisant. Après, c'est au goût. Si vous voulez rajouter d'autres choses, aucun problème. Voilà les amis, la salade niçoise. Bruno, Anthony, Mikey, j'espère que vous allez trouver que
j'ai assez bien représenté votre région, si chère à votre cœur. Alors même si vous ne jouez pas très bien au football dans le sud, je sais que vous faites une bonne petite bouffe de temps en temps. Alors à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien.